Donc à la guitare, je peux jouer soit aux mains, donc comme ça, aux doigts, pardon, soit utiliser ce petit truc en plastique, un médiator, ça me permet de jouer différemment. Je m'appelle donc Hugo Corbin, je suis guitariste, j'habite à Montrouge et aujourd'hui donc j'étais venu présenter la guitare donc électrique et le jazz à l'école de Renaudel. Et donc je leur ai parlé un petit peu, on a parlé un peu de jazz, j'ai parlé de la guitare, j'ai amené mon matériel et on a essayé de faire un peu de musique ensemble ce matin. Ça c'est un ampli, donc l'ampli ça fait quoi? Ça permet à ma guitare d'être entendue, d'avoir un plus gros son. Par exemple là je vais vous montrer, là je joue, vous m'entendez ou pas? Oui. Mais bien ou? Pas trop. Bof, vite fait. Hein. Ok, là je vais mettre avec l'ampli, là vous m'entendez mieux quand même. Donc là l'ampli ça sert si par exemple je joue avec batterie, basse, enfin plein de monde. On m'entend. Non, c'était une super matinée. Là, j'avais eu deux classes ce matin, donc une classe de CE2 et une classe de CM1-CM2. Et tous les enfants étaient super réceptifs, super attentifs. Et souvent, dans les ateliers que je fais, je demande beaucoup de participation. Enfin, on chante, on tape dans les mains. J'aime bien poser pas mal de questions, savoir un petit peu eux ce qu'ils pensent. Et tout le monde a beaucoup participé, a donné son avis aussi. Et puis était très à l'écoute, très réceptif des choses que je pouvais leur demander de faire. Et donc c'était. Enfin quand ça se passe comme ça, ça se passe souvent comme ça, mais là c'était particulièrement agréable à faire. Donc c'était une bonne expérience pour ce matin en tout cas. Donc par exemple, je vais essayer ça. Petits accords qui défilent derrière. Enfin, je ne savais pas que j'allais jouer ça par exemple. Je peux me dire par exemple, je vais faire très peu de notes, donc je vais choisir. Et j'attends. J'attends tranquille. Et si à un moment je veux dire, ouais, il faut qu'il se passe un truc là, que ça. Je vais jouer des choses et vous allez les chanter, d'accord? Là, j'ai différents groupes, j'ai mon quartet où on a sorti un disque il y a maintenant 2 ans, on en prépare un deuxième. On avait joué, pour ce qui est de Montrouge, on avait joué à Montrouge dans le cadre des programmations de la médiathèque, qui était un super moment aussi. J'ai pas mal de choses différentes, un groupe avec le batteur qui joue dans mon quartet, qui s'appelle Sarjan Ivanovic. On a un groupe où on joue de la musique, des arrangements de musique des Balkans, de musique grecque. De Macédoine, enfin pas mal de choses différentes, le jazz, chansons, et pour Xenos par exemple, des choses un peu plus rock, enfin pas mal de choses différentes.